Good morning, allez, Dan Mesutra aujourd'hui, le Lunishmat, Mourir, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Nahouda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Erisha, Bat, Chaim, Dechania. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, pour les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Horayot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Kohen Mashiach, Shechata, Vachaka, Chavar, Mibashichuto. Vechen, Nasi, Shechata, Vachaka, Chavar, Migedulato. Kohen Mashiach, Mevi Par, Da Nasi, Mevi Sa'ir. On rappelle, dans le Perek Dalet de Vaikra, la Torah prescrit les lois du Korban Khatat, le sacrifice expiatoire que l'on doit apporter lorsqu'on a transgressé inconsciemment, sans faire exprès, une faute sur laquelle on est passible, lorsqu'on est conscient, de karet, de retranchement. La faute, elle est très grave, et elle nécessite que lorsqu'elle était accomplie, réalisée sans faire exprès, on a oublié, on s'est trompé, alors, il faudra quand même se faire expier cette faute en apportant un korban khatat, un korban expiatoire. Pour rappel, la Torah a explicité 4 niveaux de khataot qui sont apportés selon différents rangs sociaux. Il y avait la faute d'abord, bien sûr la faute, le khatat que tout le Ham Israël a fauté à cause du Sanhedrin, ou même la majorité. On a fauté à cause du Sanhedrin qui nous a induit en erreur. Alors là, la faute elle prend un caractère national. Et où il faudra apporter un corban qui représente tout le peuple d'Israël, où tout le monde se fait expier par ce sang, et c'est le Sanhedrin qui est responsable de l'apporter, de lui faire la smicha, de faire tout le rituel, avec le Kohen bien sûr, c'est lui qui devra apporter ce qu'on appelait le par helem davar shel tzibur, le taureau que l'on apporte sur un oubli du public entier. Et à part ça, le deuxième c'était le par Kohen Mashiach. Il y avait dans la Torah prescrit aussi explicitement que lorsque c'est le Kohen Mashiach, le Kohen moins par l'huile d'onction, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui a reçu l'huile d'onction. Comme ça se passait à l'époque du premier Beit HaMikdash, comme on l'apprendra dans la Mishnah Dalet. Alors il a été moins par l'huile d'onction, la Torah nous précise, ben, sa faute qu'il fait, elle est aussi un caractère très grave et solennel, il devra lui aussi apporter un taureau, un par Kohen Mashiach, un taureau qui devra asperger de son sang sur la parochette, le rideau à l'intérieur du Kodesh, du Echal. Et à part ça, le Nasi, la paracha qui suit, c'est le Nasi, le président littéralement, qui est en fait le roi d'Israël, qui sera précisé plus précisément, donc dans la Mishnah Gimel, on le reverra, nous l'expliquerons dans les détails exactement, comment on devient roi, c'est-à-dire qui on considère comme roi plutôt. Ça c'est le Nasi, lui doit apporter un Sa'ir, un bouc masculin. Et à part ça, le commun du peuple d'Israël, c'est tous les autres, ils devront apporter, lorsqu'ils faudront, une kisba ou une seira, soit une brebis ou une chèvre, c'est leur devoir d'apporter donc leur khatat. La question maintenant de la Mishnah Aleph, Bet et Gimel, va être de savoir, un Kohen Gadol ou un roi, ce n'est pas forcément héréditaire, ça peut être nommé au milieu de la vie. Et même pire que ça, c'est possible qu'on l'était, et puis après on a été révoqué, on nous a mis sur la touche en disant « Allez, maintenant, ça y est, tu repars chez toi. » Et la question de notre Mishnah va être de savoir est-ce que le roi ou le Kohen Gadol gardent leur statut même lorsqu'ils ne sont plus à leur poste ou encore lorsqu'ils ont fauté alors qu'ils n'étaient pas encore à leur poste. D'accord ? Alors la Mishnah qu'on nous enseigne comme ça, on va commencer avec le premier cas d'abord. Vous comprenez bien qu'il y a au moins 2 cas de figure, il y en aura peut-être un peu plus. C'est le cas où il a fauté quand il était un monsieur tout le monde et il est devenu roi ou Kohen Gadol. Et est-ce qu'il devait apporter selon maintenant, selon son rang ou selon sa faute qu'il a transgressée? Et il y a aussi le cas inverse, où il a fauté lorsqu'il était encore Kohen Gadol ou roi, et qu'ensuite il a été révoqué. Est-ce que maintenant, lorsqu'il sera un monsieur tout le monde, il voudra apporter un korban? Quel korban, quel degré de korban devra-t-il apporter? Celui du roi ou du Kohen Gadol, ou bien celui du monsieur tout le monde qu'il est redevenu? Et c'est le sujet de la Mishnah qui commence en nous disant, Kohen Mashiach Shechata. Il avait un Kohen au moins par l'unonçon, donc un Kohen Gadol. Et ensuite, il a été révoqué, déchu de sa belle fonction, pour une quelconque raison. C'est possible que même il a eu un boom, par exemple. Il a eu un défaut, il a eu un membre qui s'est cassé, qui s'est coupé, un doigt en moins, ou quelque chose comme ça. Donc on lui a dit, écoute, maintenant, on te respecte, t'es très gentil, mais tu repars chez toi, t'as plus rien à faire au Beit HaMikdash. T'as un Baal Moum. Alors, ouais, je donne un exemple, il peut y en avoir d'autres encore. Donc, il était Kohen Mashiach lorsqu'il a fauté, il est redevenu Monsieur Tout-le-Monde au moment où il apprend qu'il doit porter un korban parce qu'il réalise qu'il s'est trompé.
Ou encore, Vechen Nasi Shechata, ou encore un Nasi Shechata, un roi qui a fauté. Et ensuite, il a été déchu de sa haute fonction. Ils l'ont pas décapité, il est encore vivant, mais il peut plus apporter, enfin, il n'est plus roi d'Israël. Quel corban devra-t-il apporter? Est-ce qu'on va partir selon le moment où il a fauté, donc il avait un haut rang, ou est-ce qu'on va partir selon le moment où aujourd'hui il apporte le corban? Et lorsqu'il apporte le corban aujourd'hui, il n'est plus du tout dans ce rang-là, donc c'est un monsieur tout le monde. Alors la Mishnah nous enseigne, Kohen Mashiach Mevi Par, et bien puisque sa faute, elle était à l'époque de lorsqu'il était encore Kohen Mashiach ou président, Kohen Mashiach Mevi Par, le Kohen, ou un parmi nous, devra apporter son taureau malgré tout, même si aujourd'hui il n'est plus Kohen Gadol effectif, et Ve'a Nasi Mevi Sa'ir, et le Nasi, le roi président, devra lui aussi apporter un bouc, comme c'est le devoir de chaque roi. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la Mishnah nous enseigne qu'apparemment, on va selon le moment de la transgression, et si le moment de la transgression, il était à un moment où il avait le haut rang, donc c'est devenu une faute qui nécessite forcément de l'apporter avec la rigueur du haut rang, donc d'apporter un sa'ir, et pas comme le commun du peuple d'Israël. Tout ça, c'est déduit de Psukim, le passage qui nous incite, par exemple, le Bartanoa à la fin, il nous le rapporte, « Dirti al-Khatato asher khata » On rapporte sur la faute qu'il a fait et lorsqu'il a fauté. La Torah insiste. Il devra expier Al-Khatato sur sa faute, Asher Khata, qu'il avait fauté. Pour te dire que tu vas selon le Sha'a Rishona, selon le premier instant, le moment où il a commis la faute. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Eslachakol Tov. C'est là.